Salut à tous, c'est dans l'info, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des notes IP graphiques. Donc avant de commencer cette vidéo, deux choses à vous dire. La première, est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos assis ou debout? C'est à vous de me dire, on peut faire un petit vote, donc si vous préférez que je sois assis, vous marquez assis. Et si vous préférez que je sois debout, vous mettez debout. Et après je voterai en fonction du nombre de commentaires qu'il y a. Et la deuxième chose, c'est une personne qui m'a dit que je parlais trop vite sur mes vidéos, donc je vais faire beaucoup d'efforts pour parler moins vite. Et oui, je comprends, que je sais que je parle beaucoup vite dans mes vidéos, je m'en rends compte même moi. Moi je comprends, mais peut-être certains d'entre vous ne comprenez pas. Donc parfois pour vous ça peut être blibliblou, vous ne comprenez rien du tout. Donc vaut mieux me le dire que rien comprendre. Peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire IP67, 68 ou bien 48. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment bien comprendre ces IP et ainsi que bien les lire. Donc le code IP veut dire Ingress Protection Rating. L'IP est suivi de deux chiffres et d'une lettre en option. Donc la lettre, c'est très rare, vraiment ça arrive très très rarement qu'on ait une lettre sur une IP. Que ce soit sur un smartphone, une tablette, une enceinte Bluetooth, un PC portable, voilà plein d'autres choses. Vous avez normalement obligatoirement aujourd'hui une IP. Donc le premier chiffre indique le niveau de protection que le produit fournit contre l'accès aux parties dangereuses. Donc par exemple ça peut être des conducteurs électriques, des pièces à mouvement et la pénétration de corps étrangers solides dans votre appareil. Le deuxième chiffre indique la protection de l'équipement à l'intérieur du produit contre la pénétration nuisible de l'eau. Donc pour récapituler, IP suivi du premier chiffre qui indique toutes les parties solides et le deuxième toutes les parties liquides. Prenons un exemple de mon iPhone 7 qui est sous IP67. Donc comment on fait pour savoir qu'est-ce que ça veut dire IP67? C'est tout simple, on laisse l'IP d'un côté et de l'autre côté on va s'occuper juste des chiffres qui sont juste ici. Donc 6 égale étanche contre la poussière et le 7 immersion jusqu'à 1 mètre. Donc je prends une enceinte Bluetooth qui est sous IP54, donc je laisse l'IP d'un côté et je garde juste les chiffres 5 et 4. Donc 5 égale protection contre la poussière et le 4 protection contre les éclaboussures de l'eau. Donc il y a 6 chiffres pour la partie solide et pour la partie liquide on a 8 chiffres. Donc tous ces chiffres ils s'assemblent entre eux et créent une IP. Moi si je regarde je prends l'IP 6 et 7 et ça fait l'IP que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc 6 égale étanche à la poussière et le 7 immersion jusqu'à 1 mètre. Si par exemple vous avez une IP 34, et bien vous laissez l'IP d'un côté et vous gardez juste votre 3 et 4. Et ensuite vous allez dans la description de ma vidéo. Donc dans la partie solide vous aurez votre 3 qui a une description de ce que ça fait. Et dans la partie liquide vous aurez votre 4 avec une description pour dire à quoi ça résiste. Donc vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, j'espère que je me suis bien expliqué dans cette vidéo. Si je me suis très mal expliqué ou moyennement mal ou à une minute près je me suis mal expliqué, n'hésitez pas à me dire les commentaires de la vidéo et moi je vous referai une vidéo si nécessaire. Je me suis dit que ça serait bien de faire des vidéos voilà, de temps en temps, parfois voilà, on parle un peu des IP, la prochaine fois je vous donne un exemple, on peut parler des capteurs photo, voilà, de pixels, tout ça. Donc c'est un nouveau sujet que je vais ouvrir sur ma chaîne YouTube et je pense que ça pourrait être très intéressant pour certains d'entre vous qui veulent savoir à peu près à quoi ça correspond. Et franchement il faut savoir que derrière c'est pas compliqué à comprendre. Donc mes amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Avant de vous quitter, je suis en train de finir les paramètres de mon compte Twitter parce que j'ai créé Twitter. Donc il va arriver prochainement sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, mes réseaux sociaux, mes chaînes YouTube et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une turfu vidéo. Salut les amis.